je le jure. Je fais le serment de transmettre, de servir et d'honorer la Tunisie, sa culture et son évolution permanente. Ben, nous sommes heureux, et je parle au nom de la délégation Provence et de l'Europe, pour le Vaucluse, le nord du Courredanier, l'Ardèche, la Drôme et le Gard. Bah, j'en suis représentant jusqu'à lundi, puisque je passe le flambeau à Franck Jacquet, qui est vice-président depuis 3 ans et qui, normalement, s'il est élu, devrait être président dès lundi prochain. Bah, je suis très content donc, de finir mon mandat sur un chapitre, d'autant plus un très joli chapitre, hein, puisque tout plein de conférences sont en retour. Et toujours pourquoi ? Ben, toujours pour le goût des belles et des bonnes choses que la nature nous donne, en fait. Et à nous de transformer avec le cœur les passions pour en profiter un maximum. Parce que le produit noble nous rend toutes ces valeurs nutritives et gustatives, c'est ce qui est important. Ah, donc je suis très heureux ce soir d'être ici, même si j'ai fermé mon restaurant, c'est pas grave, tant pis. Franchement, je l'ai dans le cœur. Et j'espère que Jean-Pierre Saint-Vincent est le début de quelque chose sur le Gard. On a envie que les disciples escoffiers soient plus présents sur le terrain. Voilà. Donc merci à vous qui nous rejoignez. Et merci à ceux qui ont fait que ce fut possible. Voilà. Merci beaucoup. Accordé par Raymond VI, comte de Toulouse, octroyant le consulat à la ville de Beaucaire.